Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Ce soir, je vais même tester la gastronomie africaine. En effet, ce soir, je me rends au restaurant Tombouctou. Il y a plusieurs îles de France. Et ce soir, on va essayer de manger toute la carte ou presque. Bref, on verra bien. Vous êtes prêts? Moi, je le suis. C'est parti, let's go. Bon les amis, bien arrivé au restaurant. Tombouctou a choisi le roi d'un 9-4. Apparemment, c'est le numéro 1, le meilleur de tous les Tombouctou d'Île-de-France. Pour ce qui est du défi, c'est simple, je prends toute la carte. Ou, comme je vous ai dit, presque toute la carte. Je m'explique. Je vais prendre vraiment tous les plats, toutes les entrées, toutes les grillades, tous les plats africains, sauf le riz. Parce que le riz, faut savoir qu'il y a chaque plat. Pour les grillades, le riz pour les plats africains. En gros, ça va faire riz partout. 5 kg de riz en un repas. On va éviter. Surtout, j'ai fait un défi paella hier midi. J'ai fait un défi couscous hier soir. Donc, le riz ce soir. Non, mais merci, j'en ai marre, stop. En tout cas, pour ce qui est du défi, toute la carte, je vais l'assumer. Donc niveau entrée, je prends tout, vraiment tout. Pareil pour les grillades. Pour les plats africains, pareil, je vais prendre toutes les sauces. Comme ça, je peux faire mon ressenti. Bref, vous savez, on bégaye pas, il n'y a plus qu'à attendre la grande tablée. Et c'est parti pour le défi. A few moments later. Bon, c'est bon, les amis, c'est parti. J'ai presque tout reçu. Je dis presque parce que malheureusement, je n'aurai pas toute la carte. Des plats sont en rupture qui arrivent, notamment le poisson. Forcément, poisson frais du jour, bah il n'y en a plus. Pareil pour les merguez. Du coup, en plat, j'aurai un demi-poulet braisé, brochette de poulet, brochette de bœuf braisé, brochette d'agneau. Pour ce qui est des entrées, on a les œufs cachés. Bon, en gros, c'est deux œufs durs coupés en deux, enrobés de viande hachée. Fameux pastel, donc on a deux au thon, deux au bœuf. À côté, on a les alocos. Donc, ça, moi, je suis pas trop fan. En tout cas, banane frite comme ça, ça sera plus pour mon poteau. À côté, on a quand même ramené du riz, thiep jaune et thiep rouge, juste pour goûter, avec un peu de sauce à ça. Hein. Donc c'est oignon, olive, carotte et moutarde. Et là pareil, on a deux sauces, sauce mafé à base d'arachide et la sauce tchou à base de carottes, oignons et choux. Bon au final, le défi n'est pas si corsé que ça. Donc déjà on va assumer la viande, les pastels, les œufs cachés et on va goûter aux sauces. Bon c'est parti, on va goûter d'abord les fameux jus gingembre, bissap, mangue. Bissap, c'est la base, à base de fleur d'hibiscus. Très sucré mais très bon. Et ça par contre, comment ça pique. Gingembre. C'est du vrai gingembre ça. Bon, on va commencer par les œufs cachés. Donc c'est marrant comment c'est. Hein. Un œuf dur, enrobé, non lâché. Je connaissais pas. Un peu de sauce. Pas mal hein. C'est un peu sec, mais c'est quand même bon. C'est meilleur que la sauce. Là, j'ai le choix. Hein. Entre sauce mafé et la tchou, on va goûter avec la tchou. Tomates, carottes, choux, oignons. Comme ça là. Il y a du goût là. Très bon. Et maintenant, sauce mafé. À base d'arachide. Trop bon. On dirait un peu une moutarde, mais sucrée. Ouais, continue. Bon, les œufs mystères là, cachés, fini. On passe au pastel. Alors, thon bœuf haché, comment je peux le savoir? Mystère. Bœuf haché. Pas mal, hein? Là, on a ce thon, thon mariné avec des herbes et tout. C'est bon aussi, je préfère celui qui est au bœuf. Bon, là, j'ai récupéré la sauce yassa, à base d'oignons, de moutarde, d'olive et tout là. On va faire un petit mélange. Pastel, sauce, y a ça. Les pastels, pareil, validés. Maintenant, on passe au vif du sujet, les grillades. Donc, je vous rappelle, un demi-poulet braisé, une brochette de poulet, une brochette de bœuf braisé et brochette d'agneau. Malheureusement, les aléas ont fait que pas de merguez, pas de poisson. Ça arrive. Au moins, moi, je vais respecter mon défi, à savoir, je prends toute la carte. Après, qu'il manque des produits ou pas, ça, moi, pas de ma faute. Hein. Bon, je commence par la vie, à savoir le poulet. Parce que le poulet, c'est la vie. C'est bon, c'est bête, mais c'est bon. Un poulet mariné, braisé comme ça, là, avec un peu d'oignon, pour rappeler un peu la sauce à ça. Parfait. On passe au bœuf. Maintenant, la côtelette d'agneau. Côtelette d'agneau, validée aussi. Bon bah, il ne reste plus qu'un plat, hein. Le demi-poulet braisé. Et après, ça sera déjà la fin. Dommage qu'il y avait ces cultures, hein, ça arrive. Sinon, j'aurais pu avoir plus de plats. Après, le fait de ne pas manger de riz, c'est un choix. On ne voulait pas, ce que je vous ai dit, hein. Entre la paella et le couscous, le riz, ça reste du riz, quoi. On va éviter.
Là, je laisse rien. Je mange tout. Il restera rien sur l'os. Que des nanos quoi. Demi-poulet brisé, validé aussi, fini. Qu'est-ce que je fais? Bon, comment je m'arrête là? Je sais pas, je me tâte. Bon les amis, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je sais, vous allez me dire, vous allez être déçus. Alan, t'as pas assez mangé. Bon, j'avoue, c'est vrai, j'ai encore faim. Mais bon, j'allais pas reprendre encore du riz ou des plats que j'avais déjà pris juste avant. Bref, c'est pas grave, les plans rupture, ça arrive, ils sont pour rien. En même temps, c'est de ma faute, hein. Je suis allé au resto, il était 21h30. Temps de prendre la commande, faire l'intro, machin, il était 22h passé. Bref, en tout cas, allez-y, Tombouctou. Si vous voulez manger africain, ça change. Moi, pour le coup, j'ai bien aimé, plutôt pas mal. Il y a du goût, c'est assaisonné, des bonnes sauces. On voyage en Afrique en restant en France. Que demandez mieux. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker la vidéo, je compte sur vous. À liker, à commenter, à partager, à vous abonner. La petite cloche pareil pour activer les notifications. Comme d'hab, suivez-moi sur Instagram, Snapchat, Facebook. Très important. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao.